concerné Christ. Nous avons avec infiniment de peine la mort de Pierre Damien. Il vivait dans l'hôpital général mercredi 26 février à l'âge de 47 ans. Il est arrivé Damien Pierre a chanté dans l'église. Dans une dernière pierre à chanter dans l'église là. Demain, après le 19h à 3h de l'après-midi, et Fénéraille va exposer et bien un cadavre à plat de 2h. De cette date, des membres de l'église ont persévéré dans l'intégration au bon salon. Nous avons annoncé aussi avec infiniment de peine la mort de. Frère Lucius Michel, qui vivait votre prince de mars qui se passait là, à l'âge de 92 ans. Frère Lucius Michel, qui est un chrétien fervent, c'est ancien prédicateur de l'église baptiste de Grand Bois, on verra faire ça, et on va nous réunir, ok, ça va, allez, on se répète. Donc, c'est. Les funérailles en fait mardi matin se levaient à 7h30 du matin et blablabla depuis 6h30. Comme on dit nous, des fins de membres de l'église baptiste de Grandbois et prédicateurs et itinérants dans cette congrégation. Nous demandons à. Ce sont les mêmes frères de la Saint-Église, les annonces provisoires de l'Église. Pendant que je m'avais rappelé à la congrégation qui est dans une zone métropolitaine, c'est pour faire des efforts pour que, depuis jeudi, nous avons annoncé à Zanio que nous avons que nous tous participer à l'activité. Donc, nous demandons, c'est pour faire une suggestion, ça, ma part du temps, après midi, mais nous avons des congrégations qui sont très hautes, mais permettre que il n'y a pas d'un culte ou même pour permettre à ces bien-aimés de participer dans une grande célébration d'activités que nous avons bien là, parce que vraiment nous avons une grande activité missionnaire à travers la prédication qui a faite. Et nous, comme nous avons annoncé, il y a trois missionnaires qui ont rentré pour prêcher pour nous et à accompagner des solistes qui doivent prêcher chaque soir. Et donc, à ça, nous avons des. Nous, mes amis, que nous avons invités déjà, nous avons demandé sur Esther, Frère Carto et sur Sonia pour que nous soyons capables de nous avant l'activité Sayo, mardi et si Dieu veut. Ce sont là, comme on dit, nous, les annonces provisoires de l'Église, mais l'annonce définitive, c'est que Jésus-Christ reviendra. Et comme tel, il s'en est offert, nous avons besoin de continuer à jouir, double fonction de grâce qui dit ça. Double portion de grâce de victoire. Et maintenant, nous sommes capables de continuer à prêcher l'évangile de Jésus-Christ car la prédication de l'évangile, c'est une nécessité pour l'Église. Et dans ce cas, nous pouvons dire ensemble, Maranatha, Christ revient à Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et maintenant, Frère Maxonio, avant que nous coupions la prédication du jour, je vous rappelle qu'après la prédication du jour, la chorale harmonie des élus va être capable d'exécuter dernier numéro libre et vous profiter de cette occasion encore une fois pour continuer à encourager la chorale là, car nous connaissons que c'est une chorale qui exerce dans une condition de plus difficile. Maintenant, on va regarder que, on va prendre un joignot là, on va prendre un joignot là. Mais c'est la grâce, grâce, grâce. C'est ça qui a fait tout le signe. Donc, quand Dieu connaît bien, vous êtes capable de fortifier nous. Donc, il y a bien pour chanter pour nous. Mais le prédicateur de ce matin, c'est le pasteur Jeannot Julien, originaire de Présence. Et Freddy avait dirigé l'église baptiste de Pilate. C'est ancien pasteur
l'église baptiste Sion de Saint-Michel de la Talaye que le pasteur Abraham lui-même avait dirigé dans le temps et ses membres du conseil d'administration de la société biblique haïtienne. On y est, on nous dispose de nous pour nous capables d'écouter la prédication du jour. Et dans ce sens-là, nous invitons toute assemblée avec auditeurs, quel que soit côté que vous vouliez, eh bien, préparez-nous et nous avons chanté le cantique d'évangélisation. Ça, béni chaque monde qui peut prêcher, présente miséricorde, dit il va par où la paix, la météo en ordre. Nous avec nous, qui prenons dans la gloire pour habiter. Là, tous les jours, côté tout le monde, en joie, seulement toi, lui, seulement toi, lui, la sauver. Moi, évidemment, je vais vous donner le numéro 1, Maxime. Je vais vous chanter quand c'est ça, je vais vous donner le numéro 44, en espérant, c'est ça, je vais vous pour accueillir tous les prédicateurs, les prédicateurs ensemble. Et sois celui qui vient au nom du Seigneur. Amis de la Seigneur, chers frères et sœurs, et par les auditeurs de la radio Lumière, mes chers internautes,
Che la bella grazie Gesù per l'introduzione, va bene. Amen. Noi vi ringraziamo il Signore che con il privilegio matenio possiamo avec mon service d'adoration ça che vi dobbiamo considerare come un peuple parce que premièrement il y a un dimanche pareil sauveur noir il est ressuscité dans la mort. Amen. Et deuxièmement on va fêter avec la radio Lumière 55e anniversaire de naissance sur grâce sous grâce. Moi, je voulais deuxièmement remercier le collège pastoral de l'église, particulièrement le révérend pasteur Josué Mathieu, qui est passé à moi-même comme prédicateur dans l'occasion si spéciale. Je voulais également remercier nos chacres qui m'a bien capté des points. Et qui va user un peu de patience pour écouter le message de la parole de Dieu. Juste avant d'entrer d'emblée dans le sermon de ce matin, permettez-moi que vous soyez capable de présenter non, madame moi qui a accompagné moi. Dans cette maman qui a mis 3 mois, c'est madame la présidente. Elle est là, je suis marié. Nous avons également un garçon. Et les deux se trouvent par ici. Ma femme et mon petit garçon, Talentier, Audrey, Julien, ils ont été très heureux de voir pour que je puisse accompagner ma meilleure pendant que je suis vie dans l'église. Je vous souhaite que ma béni nous tous, mais je la bénis comme il également. Amen. Il y a également le docteur Corbin Salomon, qui est un ami moi, qui a accompagné ma meilleure, qui est expliqué de place, car il était dans les partages. Et il a également avec moi, ensuite mon Dieu, capable de bénir nous dans le culte d'adoration. C'est là que mon Dieu bénit. Amen. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ça c'est le thème que de te soumettre à moi-même dans l'occasion spéciale, c'est là. Et pour que nous soyons capables de contextualiser beaucoup plus ce thème-là qui est en pile importance, nous devons ajouter simplement 2 mots là-dedans. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église ici et maintenant. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église ici et maintenant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs de la radio Lumière, Jésus avance à monter au ciel, avec institué son Église sur la terre, avec la noble mission de proclamer la bonne nouvelle du salut à toute la création. Il ne l'a pas placé dans le ciel, mais de préférence au cœur de ce monde pervers et corrompu. Cela soutient que, mes chers amis dans le Seigneur, le Jésus sauveur, le Jésus libérateur, dans sa compassion, a vraiment un plan de salut pour l'humanité tout entière. L'Église, comme inspiration divine, est capable de considérer comme un lieu de prise de conscience, un lieu de transformation et un lieu de réconciliation. Et tant que tel, sa vision, ses œuvres et son message doivent être vus et entendus par tout et chacun, ici et ailleurs. C'est sans nul doute dans même perspective missionnaire et chrétienne qu'il a que responsable de la première église de la baptiste de Port-au-Prince est arrivé à élaborer ce thème combien contextuel, combien important basant sur l'évangélisation et la missiologie qui dit comme ça, annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église. Félicitations, pasteur, félicitations aux responsables de cette Église. Le thème est bel et bien choisi, car il est unanime de croire que seul l'évangile de Jésus puisse apporter un changement radical de la